Nous prions la fanfare de passer le relais à la chorale Bundu Dia Congo. Bandeko ya fanfare botika kobeta chorale Eyemba, s'il vous plaît. Merci. Chorale, Bokoki Kobanda. Nous interrompons un peu cette cérémonie de dépôt des gerbes de fleurs pour permettre à la chorale de pouvoir animer et nous allons y revenir après. Merci. Dans l'entretemps, nous vous signalons également la présence parmi nous de Son Excellence M. Guy Mbadou, gouverneur de la province du Congo central. Oh papa. Excellences, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du parti politique Bundu Dia Mayala, très chers membres de la famille et amis, peuple congolais, la volonté de Dieu est parfois amère, mais elle reste la volonté de Dieu. Nous savons du reste que la mort ne respecte personne. La mort ne respecte ni la jeunesse et encore moins la vieillesse. En ce jour, nous nous réunissons pour rendre hommage à un homme exceptionnel, notre père. C'est avec un cœur lourd que je me tiens devant vous, mais j'ai également une profonde gratitude pour les moments précieux que nous avons partagés avec lui. Avant toute chose, nous tenons à remercier Son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi. Oh,
tenons à remercier Son Excellence, Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi, que notre papa appelait affectueusement son neveu. Mais également, la distinguée première dame, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, Madame Denise Nyakero, qu'il appelait Bokilo. Nous vous présentons nos reconnaissances les plus sincères pour votre accompagnement dans le cadre de l'organisation de ces funérailles dignes de son rang, ainsi que votre accompagnement durant la convalescence de notre père. Notre père était bien plus qu'un homme ordinaire. Il était un pilier de force, une source inépuisable de sagesse et d'amour. Je me souviens, dès l'âge de 7 ans, avoir pris conscience qu'il n'était certainement pas un père comme les autres, qu'il était destiné à beaucoup de choses. J'ai pris conscience de cela le jour où je suis entrée dans son bureau. Je suis tombée sur un carton dans lequel il avait jeté plus d'une trentaine de stylos vides, tous entamés. Et ça, c'est parce qu'il passait des jours et des nuits à écrire. Oui, notre père était un écrivain hors pair et avait de toute évidence un message à faire passer. C'est comme ça qu'il a hérité du titre de Longin Kongo, qui veut dire l'instructeur du peuple Congo. Il disait toujours Kungimina Luku, Kungimina Zayiluko, Kadi, Buzobadia Budianga. Ce qui veut dire prive-moi du foufou ou de la nourriture, mais ne me prive pas de la sagesse, car l'ignorance tue les ignorants et leurs œuvres. Son but était l'éveil de la race noire. En général, du peuple congolais et du peuple Congo en particulier, afin qu'ils retrouvent honneur et dignité. Vous l'aurez compris, mon père était un panafricaniste et surtout un patriote, au sens pur. Quoique mal compris et ayant subi des agressions, des arrestations, des sacrifices, il n'a jamais cessé d'affirmer sa ferme conviction et détermination au peuple congolais, et cela au péril de sa vie, de celle de sa famille et de ses Makessa. Nous avons une pensée particulière à tous les Makessa qui ont perdu la vie ainsi que leur famille. Il faut dire que la vie de notre père était mouvementée. En effet, nous avons mangé avec lui, nous avons ri avec lui, mais nous avons aussi beaucoup pleuré avec et pour lui. Je voudrais ici signaler que nous conservons et n'oublions pas le grand geste en 2019 du président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, pour faciliter la sortie de notre père de la clandestinité dans laquelle il était durant pratiquement 2 ans et où il était même parfois déclaré mort. Alors pour cela, merci à vous. L'histoire semble nous apprendre que les vrais patriotes et heureux nationaux sont souvent ceux qui subissent le plus. Ainsi, la mission de notre père et son attachement au Congo lui ont certes causé beaucoup de difficultés, mais le fait qu'il se soit battu pour son pays, le Congo, forge le respect et l'admiration pour la personne qu'il était.
la famille biologique, à la famille politique, à la famille religieuse. Nous, ces enfants, viendrons vous inviter à conserver et protéger l'œuvre de notre Père. Au-delà des dérapages ambiants observés ça et là, il n'est pas impossible, en revenant vers les fondamentaux ancestraux qui étaient et restent son combat, de contribuer chacun de nous, pour la sauvegarde de ses œuvres et de son souvenir. Alors que nous pleurons sa perte, apprenons son patriotisme, car au même titre que Yaya Nkimba Vita ou encore Fumu Kimbangu et tous les autres martyrs du Congo, notre père a fait sa part. En outre, nous viendrons expressément demander au président de la République, avec l'honneur qu'il nous a fait dans cette grande réussite de Kinshasa, son accompagnement financier et moral pour le reste de la partie concernant le départ de notre père au Congo central jusqu'à son inhumation à Tsukumalombo. À mes frères et sœurs qui étaient à Kinshasa, ceux et celles venus d'ailleurs pour accompagner papa durant des mois difficiles, je vous remercie. À notre mère, Yaya Sekimina Kongo, merci d'avoir été une femme incroyable et forte, à l'amour débordante. Tu incarnes l'adage qui dit que derrière un grand homme se cache souvent une grande femme. Papa, nous te promettons de prendre soin d'elle et nous porterons haut et fort l'étendard de ton nom. Sois-en rassurés, nous continuerons le travail patriotique que tu as laissé. Et je l'espère que toutes les personnes ici présentes en feront autant. Que la terre de nos ancêtres, Fumu Kimbangu, Yaya Vita Nkimba, Nsaku Panzu et Yaya Nzinga, te soit douce et agréable. Bunda Muyenge, Ingeta, Ibobo, Ibobo. Central et Katia. Mesdames et messieurs, après cette adresse de Madame Levé, afin de saluer le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous allons poursuivre notre programme après qu'il ait pris congé de nous.
Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central, le Docteur Kimbadou, pour vous rendre le recueil. Le plus important, c'est de récupérer ce message, de tirer les leçons et de faire ce qui est faisable pour le bien de notre pays. Et moi, la jeunesse. Maman Zita Ngoma, que si quoi 45 heures pour le dépôt des chars de feu. Je ne peux pas dire que ce qu'il a dit était inutile. Que la jeunesse doit maintenant s'imprégner de ce message et tout faire pour se conformer justement à ce message. Merci beaucoup. Okay. Un arrêt d'honneur et ensuite nous rentrerons à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Respectons le temps, s'il vous plaît.